Merveilleux public, bonjour et bienvenue à l'Agora de l'ENA. Aujourd'hui, je m'en vais vous entretenir sur le concept de la protection sociale, généralement utilisé par le public, soit par mimétisme ou par nécessité. La protection sociale, dont on parle souvent, est un dispositif qui s'est construit dans le temps. L'idée phare à retenir de cette longue construction, c'est que l'État, en tant que puissance publique, doit se préoccuper du bien-être économique et social de sa population. L'État, en voulant mettre à l'abri des besoins toute la population, en procurant à chaque citoyen le minimum vital nécessaire, est parfois confronté à des problèmes de moyens pour réaliser cette noble ambition. Et puisqu'il a la responsabilité de cette prise en charge du citoyen en tant que puissance publique, l'État utilise donc le dispositif de la protection sociale pour le faire. La protection sociale, c'est un ensemble de mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des difficultés sociales. Ainsi, la protection sociale a deux fonctions. Il y a la fonction de garantir les travailleurs assurés et leurs familles contre les risques qui peuvent réduire ou supprimer leur capacité de gain. La seconde, c'est qu'elle assure le minimum de moyens vitaux aux populations les plus défavorisées, donc les plus pauvres. Quels sont les types de protection sociale? Ces types de protection sociale, il y en a deux. Il y a la protection sociale contributive, il y a la protection sociale non contributive. Cette protection sociale contributive englobe les systèmes de couverture liés à l'emploi auquel le bénéficiaire et leurs employeurs contribuent en versant les cotisations sociales. Le cas nous est fourni par la CNPS et la CNRT qui, pour payer les prestations, collectent d'abord les cotisations sociales de la part patronale, de la part ouvrière, pour faire face au paiement des charges de prestations. La protection sociale non contributive, quant à elle, concerne les systèmes de couverture auxquels les bénéficiaires ne cotisent pas, parce qu'évidemment, ils n'ont pas de moyens. Ces bénéficiaires reçoivent des transferts sociaux qui sont des aides en argent ou en nature pour leur permettre de faire face à certaines difficultés de la vie courante. Les transferts sociaux développés au bénéfice de la population sont financés généralement par l'État avec l'aide de ses partenaires au développement ou des pays amis. Alors, la protection sociale étant ainsi définie, quelles sont les prestations qu'elle offre à la population? Les prestations de protection sociale sont réparties en branches selon les natures des risques couverts. On distingue d'abord la branche de prestations familiales qui comporte les différentes prestations qui sont les allocations prénatales, les allocations de maternité, les indemnités d'accouchement, les allocations familiales. La branche de prestations familiales sert également des prestations en nature à travers le développement de l'action sanitaire et sociale. Secondo, il y a la branche de risque professionnel, qu'on appelle communément accident du travail et maladie professionnelle. Cette branche offre quant à elle les prestations qui sont les indemnités journalières pour les arrêts de travail en cas de maladie ou en cas d'accident, les rentes d'incapacité, les frais funéraires en cas de décès de l'assuré suite à l'accident du travail ou maladie professionnelle. Cette branche de risque professionnel sert également des prestations en nature. Et ces prestations en nature se matérialisent souvent par la fourniture des prothèses, des verres correcteurs, des produits pharmaceutiques ou alors le remboursement des frais que le bénéficiaire a exposés pour acquérir ces prestations en nature. Cette branche développe aussi la prévention des risques professionnels qui permettent d'anticiper la survenance des accidents de travail et maladies professionnelles. Ensuite, il y a la branche des pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès. Les prestations servies sont la pension de vieillesse, l'allocation de vieillesse, la pension d'invalidité, la pension anticipée, la pension de survivant, l'allocation de survivant. Il y a en dernière position la branche maladie. La branche maladie communément appelée la couverture maladie. Eh bien, la branche maladie peut être universelle ou portée sur les catégories des populations déterminées. Cette branche peut comporter des systèmes contributifs et non contributifs. Et là, on ne revient plus sur le terme parce qu'on avait déjà expliqué. Les prestations de la branche maladie comprennent les soins de santé, notamment les actes de soins externes, les hospitalisations, les produits pharmaceutiques, les appareillages et les évacuations sanitaires. Voilà brièvement présenté la quintessence de la protection sociale, un dispositif important au service de la population tchadienne. À très prochainement sur l'Agora de l'ENA pour un autre entretien sur la seconde partie consacrée à la gestion des systèmes de protection sociale.